si m'da di yon moun, si ex ou mande pou, ki sa m di? Amina! Ok, merci. Bon, Jebis entre dans ma quête, m'ga di nan, Jebis commence faire musique à l'âge de 14 ans. M'te commence jouer classe piano, classique. Papa m'te si à ce que petit garçon là, m'a joué piano. Bon, m'che devle ma étudier médecine, même c'est musique m'te devle. Bon, m'che vin ouè que Saldi et tout, tu m'avais là, c'est l'imblé fait. Et pas vraiment aimé ça même. J'ai vu tu commences à jouer piano, après ça, nous entrons. On sait que un musicien qui a manié tout instrument que nous jouons, qui sont scène dans la Jibis. Comme si les Jibis avaient joué. On commence dans le piano, nous entrons dans la guitare, nous faisons pour deux ans, jouer basse, jouer batterie, grâce à Dieu. Mais, à faire chanter, ce n'est pas accident en fait. Ok? C'est pendant mon grip, mais c'est pour chanter et puis moi elle passe. Quelle belle. Donc, je commence à produire pour monde qui pas connaît, produit pour première musique que je fais, c'était All I Need Is You, Kenny Demand qui était sur deuxième album Favonal. Kenny, Kwasa Avem, les connais m'ta fait R&B, hip hop, style de musique ça, et puis il dit "J'ai bit là mon travail pour moi." Et puis il me dit "Pas jamais faire compas, il dit me font bagage style pas." Sou mi se kreyon bagay diferent ke m panse ke maket la te bezwen. Sou ki se nan stil kon pa love la. Apre sa, ke ni tan de muzik la l remen, li etoujim avek Alan Kave. Alan Kave vini, nou travay Kendo Destomi. Apre sa, travay de la detouye. Apre sa, Karimi, apre sa mwen travay pou Gabel kote ke mwen. Apre sa, voye flet pou mwen, ou se melodi. Apre sa, mwen sou paket lout muzik ap fè. Depi mwen muzik ap mache. So mais c'est tester market là tout. On parle avec femme bam là. Et puis me dit tellement timide, moi n'aime pas de chanter, me pas une voix pour me chanter. Me pas réfléchir chanter parti pas là, les garder une musique là prendre la rue à vous. On y a été obligé sortir un album. On sorti album là. Donc quand c'est le troisième album, sorti premier album moi 2011 août 2011. Même en décembre 2011, moi j'ai un avion pour le Canada. Vous avez dit son bail qui passait rapide. Son tout travail deuxième album là, qu'on y a un bail sorti troisième. Ma peine sorti troisième album là. So, ma travail longtemps et me dit qu'en pile musique que nous connaît qui de yoa, nous pas considérer Jebis qui fait mais Jebis qui produit yo. So, nous gain getting lit qui te marché pour nous très bien. On mettre condamné mon paquet de musique, moi tout paré et demain n'a quelque chose pour me donner en pile la musique ça. So, ça c'est Jebis. Jebis c'est un monde qui travaille dur. Nous travaillons 12 heures de temps par jour dans le studio. Reste là, nous dormons, nous petit temps nous dormons, nous faisons tout ça pour nous faire, nous sommes père de famille tout. Mais nous passons pile temps. Jebis passe en pile temps dans le studio parce que le troisième album que nous avons sorti là, nous travaillons 19 musiques là-dedans. Nous mettons 11 sur l'album là. Nous avons 8 là. Après 8 là, nous déposons là. Nous avons composé 4 encore. Album 34e album qui est en Paris, 3e album qui fait sortir. Je m'a travaillé en pile et je seulement qu'à pour mettre nous dans la musique pour juste tout le temps à respirer, m'a dans la musique. Merci beaucoup. Prêt pour mon présentation. Non pas c'est Kilo et moi c'est Master Gouya Jebis sur le CV, c'est mon père de Gouya. Qui bon dit Jebis. Si on a coupé protéger Kéo, Gazban. Voilà deux. Si on a coupé protéger Kéo, Gazban Koula Jebis, c'est moi qui joue Gouya là. Et de mes CV, c'est mon père venu. T'as bien entendu. En place là, et c'est un honneur de capter le nom là, et c'est un honneur de ma Paris. Et merci en pile, et merci Jebis, pour vous là, et vous êtes content. Merci. Musique Wendy, hein, c'est Wendy qui est devenu, ça c'est histoire personnelle, pal. Il dit Jebis, mais tel là, qui était bagaille, qui était passé, mais moi regrette. Même d'ailleurs, même écrit musique là, moi-même, m'a déposé ça. Je me vraiment rien dit pas un problème. Je écris musique là, je fais beat là. Je voyais pas lui, mais c'était lui-même qui devine avec idée. Il dit j'ai beat, je me regrette. Parce que mon qui quitte, je regrette que je n'ai pas qui j'aime ta exprimer. So moi, je rentre dans le sentiment par monsieur et puis je fais comme ça. I'm doing fine. Son histoire personnelle. Son histoire personnelle. Oui, nous démarrions, bagaille ou pas de passé, nous pas marcher bien, démarrer pour 8 ans, relation pas de bien passé. Et puis
puis nous venons, nous faisons un bon petit temps, nous pas bailler, pas bon pour nous, nous faisons un vieux divorce, qui pas bon même pour nous. Donc d'abord nous arrivons à un niveau côté I'm doing fine pour m'écrire musique, moi mon musique. Et puis nous avons fait mon que à l'intérieur c'est plus gros bien de faire moi. So, c'est ça qui est poussé m'inspirer la musique là. Je pense que côté Miami est une plus belle place qu'on a, une plus bon. Et je souhaite que nous sommes fine parce que I'm doing fine. Son histoire personnelle. Merci. Ouais. Maintenant, je me songe, l'aime qu'on sorti, on a comme si on soit Zouk, comme ça à Miami. Et puis nous avons dit qu'on a joué. Musique Zouk seulement. Patrick André, Jim Lamont, pas qu'être autre artiste. Voilà, non, pas qu'être monde. So, je me dis, mais là, on commence à faire le vie en combat. Il y a un petit un gros coup de combat dû. Je pense que, dans le moment, Alan Tafel, mais je pense que, bon, le petit bagage extra que je me ajouté là-dedans. So, moi-même, comme moi-même, dès qu'on a habitué à jouer musique, j'ai commencé à faire R&B parce que j'ai une grosse chance de travailler avec Black Dada. J'ai eu deux, trois autres artistes. J'ai eu un record les bombes ensemble. J'ai eu un bal qui était les Vagabond Records. Nous avons pensé, nous avons joué Universal, nous avons joué un deal. So, dès qu'on travaille du R&B, nous faisons hip-hop, nous faisons rock, nous faisons pop et nous faisons techno. So, nous obligés de chercher une façon pour nous prendre tout petit bagage ça yo fouiller dans coup pas. So, l'autre des petits styles ça et nous écrit tout. So, nous écrit nous sommes qui très romantique. On pourrait musique pour très romantique. So, et histoire yo, yo toujours DJ Beat c'est avocat mesdames yo. Ça veut dire sous combat bagage tu veux dire on nègre là ou pas qu'à deal à chercher une musique DJ Beat bal tandil. L'abtendel. Donc, par exemple, moi, tout pareil, ou t'as besoin de faire des racons, on parle pour marier, nous prenons, ou abtendel, ou pas l'entendé, moi, tout pareil, et l'apprend, sauf les deals. C'est tout style ça, yon combiné, et je viens faire JBT. Et je me dis, il travaille pour moi, et de temps en temps, yon toujours dit, moi, ça, JBT monotone. Oui, monotone parce que mais souvent dans mon est-ce que femme pas dans son avec is getting lit, yo pas même musique. Ndé ka dit couper cloué monotone tout. Des boutons de couper cloué, ou pas connait c'est couper cloué. Sous dans les device kounya, même côté dans dormi, ou pas connait device. Sous dans des Tropicana, ou pas tendez c'est ou pas connait Tropicana. Sous dans des septentrional ou pas tendez. Nous connons combien de musique, combien de jazz qu'on y a là. Si on a des musiques dans la mi-temps, ou pas qu'on qui jazz lié. Donc je pense que l'originalité est tellement difficile pour mon joindre. Et je pense que c'est ça. Et garder aussi. Oui. Donc so, pour jouer, pour parler avec un style qui est différent et qui marche, et puis pour Kimbel, trois albums, et mon quatrième album est déjà fini. So, et pas seulement faire pour J-Beat, je fais pour Karimi, je fais pour Alan Gavé, je fais pour Zen, je fais pour Favo Nine, je fais pour Gabel, et je fais pour un pilote d'artiste toujours. So, je pense que le style ça, son style que c'est un mixture de R&B, compa love, c'est R&B techno. Et puis si la musique ça se met ensemble, et puis qui fait la musique ça. C'est donc son femme total capital. Ok. Femme Pamna, façon haïtienne, vous voulez. Femme Pamna, faut que les gens ont beauté, ni en dedans, ni dehors, et puis l'extérieur. Et femme Pamna, faut le son au fanatique JBT.